Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé de très agréables moments en compagnie de vos amis, de votre famille pour le temps des fêtes. J'espère que votre cœur a été comblé d'amour, de joie, de paix et de lumière. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2019 qui s'entame. J'espère que justement, vous l'avez bien entamée. Et j'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous désirez, tout ce que votre cœur désire, en autant que ce soit bon pour vous. Je vous le souhaite sincèrement, mes chers amis. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des scorpions. Donc, bienvenue mes chers scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à l'habitude, je vous suggère, comme c'est un tirage d'ordre général, que c'est possible que ça ne résonne pas avec tous les gens qui sont du signe du scorpion, je vous suggère d'aller visionner le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et si ça ne correspond toujours pas avec vous, vous pouvez me faire la demande d'un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de le faire. Vous trouverez l'adresse courriel pour me rejoindre dans la barre d'infos, donc levoyagedeliakim@gmail.com. Et lorsque vous m'en ferez la demande, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Je vous rappelle également avec cette petite clé de la destinée que vous avez toujours le pouvoir de changer les choses en cours de route. Ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui avez votre pouvoir en main et vous pouvez changer l'issue de tout tirage, d'accord? Alors voilà, on va commencer pour vous, mes chers scorpions. Donc, ce que je vois pour vous, les scorpions, c'est que pour ceux qui sont en couple, je vais commencer faire le tirage pour les couples et par la suite, je ferai le tirage pour les célibataires. Je vous encourage quand même à visionner toute la vidéo parce qu'à la fin, j'ai tiré une carte des messages des anges de l'amour pour compléter ou éclairer ce tirage. Alors donc, pour vous, on peut dire que votre vie amoureuse va relativement bien, que vous êtes confortable, vous vivez dans le confort, votre partenaire contribue au bon fonctionnement de la relation, bon, ça va relativement bien. Peut-être que vous avez un petit désagrément, c'est-à-dire que vous trouvez que votre partenaire travaille trop, il accorde trop d'importance à son travail, pas assez de temps pour vous et votre relation, c'est ce que vous pensez probablement. Et votre relation est au calme plat, c'est même, ça va bien, mais c'est au calme. Il n'y a rien vraiment de nouveau qui se passe, il n'y a rien d'excitant pour vous dans la relation. Et on le voit ici avec la carte de la mort ou de l'arcane sans nom inversé, que votre relation stagne un peu. Il n'y a rien de nouveau qui se passe. Et par le passé, vous avez eu à décider, c'est-à-dire à discuter plutôt de cette obsession-là que votre partenaire a pour le travail, parce que ça vous a amené des problèmes auparavant dans votre relation. C'est un sujet que vous avez déjà discuté. D'accord? Et cette fois-ci, maintenant, là, vous avez vu que c'est quelque chose que vous avez déjà discuté, vous avez fait part de vos émotions, de ce que vous ressentez par rapport à ça, à ce problème-là, bien, cette fois-ci, on a ici la reine d'épée. Vous avez l'intention d'être catégorique, vous avez l'intention de bien vous faire comprendre. Alors, vous allez y aller un petit peu fort sur la façon de dire les choses pour vous assurer que votre partenaire vous comprenne bien et comprenne bien vos attentes. D'accord?
Avec le 10 d'épée aussi, on le voit, là, vous allez être catégorique. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui dit des vérités pour rétablir l'ordre dans une situation donnée. Hein. Et avec le 10 d'épée, mais on voit que vous allez être catégorique. Hein. Vous allez bien vous faire comprendre. Et vous allez même aller jusqu'à faire savoir à votre partenaire que vous êtes prête ou prêt à quitter la relation si les choses ne changent pas. Hein. Cette fois, vous allez défendre vos valeurs et vos convictions avec le 7 de bâton ici. Vous allez avoir le courage de dire votre vérité, de dire les choses qui vous dérangent et de faire valoir vos convictions, vos valeurs par rapport à votre relation, à ce que vous espérez dans une relation heureuse. D'accord? Vous voulez une vie amoureuse riche et comblée. Hein? Vous voulez que ça vienne des deux partenaires, que vous continuez à bâtir quelque chose. Même si vous êtes arrivé à un certain confort, là, vous êtes dans une habitude, mais vous voulez continuer à ce que la relation grandisse et avoir des expériences enrichissantes. Vous voulez qu'il y ait beaucoup d'énergie dans votre relation amoureuse, hein, que ça continue d'évoluer. Et votre partenaire, lui ou elle, sera un peu surprise de cette déclaration soudaine, si je peux dire. Il ou elle ne s'attendait pas à ça. Donc, il ou elle devra considérer comment faire les choses autrement pour vous satisfaire, en fait, pour vous satisfaire tous les deux, hein, dans le fond, s'il veut vous garder dans sa vie. Vous espérez que les choses rentrent dans l'ordre, hein, et que vous n'aurez pas à quitter la relation ou à vous séparer ou à vous divorcer de votre partenaire. Vous voulez vraiment que ça fonctionne parce que vous aimez votre partenaire quand même, mais vous avez besoin de plus. Et si ça ne change pas, mais vous allez trouver ça dommage, mais vous prendrez l'initiative quand même de la séparation parce que vous allez vous rendre compte que ça ne correspond pas avec ce que vous avez besoin. Donc, voilà pour vous, ceux qui sont en couple, mes chers scorpions. Pour les célibataires, je vois ici que vous travaillez très fort pour attirer à vous l'amour. Et jusqu'ici, vous avez été très patient, hein, très patient ou patiente. Mais vous avez besoin que les choses bougent du côté amoureux. OK? Vous avez besoin que votre situation change. Vous voulez vivre une relation amoureuse en ce moment. Vous en avez besoin. Vous avez eu des relations qui n'étaient pas solides dans le passé. Et vous avez l'intention de faire les choses de façon intelligente cette fois-ci avec la reine, on le voit ici avec la reine d'épée. Hein? Vous allez utiliser votre intelligence pour choisir peut-être votre nouveau ou nouvelle conjointe. Hein? Et vous considérez que c'est la fin de votre solitude. Vous en avez assez de la solitude et vous êtes déterminé à changer les choses. Et vous décidez d'aller de l'avant, de faire le premier pas et d'aller chercher ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire la stabilité, ici, le bonheur amoureux. Et vous faites, je vous dirais en fait, la seule chose, c'est de faire attention peut-être d'être réellement prêt pour une nouvelle relation amoureuse. Hein? Vous avez passé beaucoup de temps peut-être à vivre dans la solitude, mais assurez-vous d'être prêt pour recevoir quelqu'un dans votre vie. Hein, souvent, quand on vit seul pendant un certain temps, on a nos propres habitudes et vous savez, une relation amoureuse, c'est beaucoup de compromis. Donc, si vous êtes habitué depuis longtemps à vivre seul, bien peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, les compromis qu'une relation amoureuse exige. Donc, prenez le temps de voir, de vous visualiser dans une relation amoureuse et de voir si vous êtes capable, si vous êtes prêt à faire des compromis. Vous espérez
que la situation change pour vous, hein, et vous voulez trouver un équilibre dans une relation amoureuse, et vous êtes motivé, et vous êtes motivé là, à aller chercher ce que vous avez besoin, et vous savez ce que vous voulez, hein. On a le roi de bâton ici, donc vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus également. Donc, c'est fini le désespoir. Ici, on a la carte du 3 d'épée inversée. Donc, pour vous, c'est fini le désespoir et la solitude. Et vous êtes motivé à aller chercher ce que vous avez besoin. Donc, voilà pour vous, mes chers scorpions. C'était votre tirage pour le mois de janvier 2019. J'ai tiré une carte pour vous, des messages des anges de l'amour. Et pour vous, c'est la carte... Vous pouvez aimer sans crainte qui est sorti. Donc, cette carte vous dit « Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » D'accord? Alors, je vais aller vous lire ce que le carnet en dit. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, le carnet vous dit « Cette carte indique que vous protégez votre cœur des blessures à cause d'expériences douloureuses du passé. Cependant, les anges peuvent vous apporter autant d'amour que vous acceptez d'en recevoir. Si vous avez une armure autour du cœur, comment le laisserez-vous entrer? Un cœur fermé repousse le partenaire romantique que vous essayez d'attirer. Le fait de suivre votre guidance intérieure vous protégera en vous permettant d'aimer et de vous sentir aimé. Faites confiance à votre intuition au regard de la loyauté des autres et ouvrez votre cœur à ceux qui vous paraissent tendres et gentils. Demandez aux anges de faire entrer des personnes aimantes, y compris un partenaire amoureux, dans votre vie et ils le feront à condition que vous les écoutiez et suivez leurs conseils. » Alors, voyez-vous ici, vous vous sentez prêt pour les célibataires, vous vous sentez prêt à une nouvelle rencontre amoureuse et les anges de l'amour vous disent de suivre votre intuition. Donc, de là ici, quand je vous ai dit de faire juste attention au fait d'être certain d'être prêt ou prête à une nouvelle relation, mais si vous faites, vous suivez votre intuition, et que vous écoutez les conseils des anges de l'amour, bien, ils vont vous envoyer une personne qui va combler vos attentes. Avec aussi, suivez votre intuition, écoutez les conseils, et aussi d'avoir l'intention que vous avez ici de faire les choses de façon intelligente, hein, d'ouvrir votre cœur à des gens tendres et gentils. Non, n'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui, mais à ceux que vous sentez qu'ils ont un cœur pur et des intentions pures à votre égard. D'accord, mes chers scorpions? Donc voilà, c'était pour vous votre tirage des énergies sentimentales. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aidera à y voir plus clair dans votre situation. N'hésitez pas à aimer la vidéo, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à la partager, hein, pour que d'autres puissent avoir des messages, recevoir des messages importants. Peut-être des gens n'ont pas accès à mes vidéos et vous aideriez comme ça à... permettre que les gens puissent avoir des messages pour eux qui pourront les aider ou les éclairer dans leur propre situation. Alors, merci aussi pour vos commentaires, c'est toujours apprécié. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi pour avoir un tirage personnalisé si vous en sentez le besoin. L'adresse se trouve en barre d'infos. Donc, en attendant, je vous souhaite un très beau mois de janvier et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain. Merci, au revoir.